exact. En Afrique, on a l'impression que, à part les grandes villes, les autres endroits n'existent pas. Ils ont peur de la tradition, ils ont peur de la... Tu amènes un projet qui doit être bien pour une région, on te demande qui est derrière ton projet. Ne confondons pas création d'emploi et développement. Il faut se dire, oh, peu importe, moi je veux y aller et il faut que j'y aille. Je pense qu'il faut dire certaines vérités, les problèmes qu'il y a pour que les choses changent. Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de suivre votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Mohamed Konté est en congé, un congé bien mérité. J'aurai donc le grand plaisir d'être avec vous toute cette semaine et même la semaine prochaine. Les invités du lundi pour ce magazine, vous les connaissez. N'empêche, on vous les présente encore une fois. La répétition n'est-elle pas pédagogique ? À ma droite, donc, à ma gauche, pardon, Monsieur Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc régisseur et promoteur de festival. Oui. Nous avons également M. Seydinan Chérif Ahmed. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Président de l'Institut des civilisations noires. Ouais. Nous avons juste à côté de vous, alors, M. Guy Constant Neza, qui sera aujourd'hui en notre compagnie pour parler d'un thème très important. Il est directeur du programme Un cœur pour l'abolition du travail des enfants. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis, bien évidemment, vous le savez, il y a Monsieur Patrick Ndjakan, avec sa verve et sa bonne humeur quotidienne. Bonjour Patrick. Bonjour Eva, bonjour aux téléspectateurs. Très bien. Alors, je pense que le titre de notre invité, vous a déjà mis la puce à l'oreille, Un cœur pour l'abolition du travail des enfants. Le thème du jour, ce sera le travail des enfants en Afrique est-il inévitable? On va en parler bien avant. On aura droit aux brèves. Jingle. Alors, les news pour aujourd'hui, vous le savez sûrement, la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, organise son cinquantenaire, ou du moins célèbre son cinquantenaire. De nombreuses manifestations sont organisées à cet effet. On regarde là le lancement de cette grande fête nationale. Anything you
Voilà, comme vous avez pu le voir à l'occasion donc, de cet anniversaire, la RTI s'était parée de ses plus beaux atours. Les agents étaient plus beaux que jamais et très heureux de fêter cet anniversaire. Alors, 50 ans, c'est l'année, on va dire, c'est peut-être la maturité, plus que la maturité même. À 50 ans, on est un homme, on est un homme d'âge mûr. Monsieur Diop. Oui, et 50 ans, je crois que ça se célèbre. Et il faut reconnaître que la télé, c'est quand même un espace d'éveil de conscience. Et la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir la télé avant plusieurs pays. Je sais que le Mali a eu sa télé en 83. Du coup, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Voilà, c'est un grand pas quand même. Et maintenant, c'est sur le câble donc de la Côte d'Ivoire. On peut te voir partout dans le monde entier. On est vu à l'international, voilà. D'ailleurs. On souhaite que ça continue à grandir et que on puisse être là pour fêter les 100 ans. Parce que... Amen, vous avez de l'ambition. Hein. Alors, Monsieur Seydino. Oui, comme je l'ai dit, je pense que la télévision nous a bercé un peu hein, à l'époque. Il y avait quand même de belles émissions, il y avait des documentaires, il y avait des concerts internationaux, il y avait plein de choses, quoi. Donc, c'est avec fierté quand même qu'aujourd'hui, on est sur ce plateau pour parler des 50 ans de la RTI. Donc, c'est bon, c'est cool. Très bien. Ouais. Monsieur Neza, 50 ans de la RTI, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je jette un regard en arrière. Je vois que la télé a été un élément fondamental dans tout ce qui s'est fait, tant sur le plan culturel, sportif, politique, ici en Côte d'Ivoire. C'est le pilier central. Chaque famille a au moins un poste téléviseur. Et nous-mêmes, on a baigné dans cela. On a regardé des gens, notamment Fulgence Cassi, Isobo Junior, puis je salue au passage un grand frère, et puis pas mal d'autres. On espère que la RTI va se mettre au diapason pour les 50 ans à venir parce que les défis sont importants. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Neza. Alors, toujours concernant ces brèves, ces news donc, que l'on a pour vous aujourd'hui, ce week-end a eu lieu l'élection de Miss CDAO 2014. On a là les images donc, remportées par la Cap-Verdienne Spencer Lopez, étudiante en marketing publicité. Elle a donc remporté la couronne. Elle avait à ses côtés en première dauphine donc, notre Miss Côte d'Ivoire, Miss Aïssata Dia. Et puis, elle a devancé Aïssata Dia de 2 points à peine, notre Miss qui était assez déçue. Et puis, je pense que ses supporters également. Et puis, la deuxième dauphine, c'était donc la Togolaise, Gantin Epiphanie. Et elles ont eu de nombreux lots, bien évidemment, du comité d'organisation. Alors, Monsieur Ismaël Diop. Là, elles sont belles, en fait. Je pense que entre Africains, il n'y a pas de concours. C'est juste que... elle n'a pas été déçue, hein. Elle est belle, autant belle que la première, la Miss. Et qu'en Afrique, Sédina dit toujours que la beauté africaine est exprimée autrement. Je pense que c'est culturel, ça dépend de la zone où tu habites. Quand tu habites dans les forêts, tu es plus, je ne vais pas utiliser le mot, ouais, tu as plus de corpulence. Et quand tu habites plus dans le Sahel, c'est plus fin. Donc, du coup, c'est une beauté sahélienne qu'on présente dans Miss Côte d'Ivoire. Alors, les internautes ont dit que notre Miss avait peut-être péché par un trop-plein d'assurance.